Allez, salut tout le monde, c'est Azuric Perassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 934 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait continué notre mode aventure, les amis, dans notre carte du crépuscule. Voilà, elle est là, donc on avait fait déjà tout ça, hein, tout ça. Donc carte du crépuscule, on est à 68%, plus que 32%. Et souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait tout simplement commencé cette carte dans lequel on avait obtenu notre costume avec Ganondorf que je vais vous montrer, le réceptacle de cœur avec Sia et une des deux scutulators. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à la dernière scutulator de cette case, et donc je vais vous montrer tout simplement le costume avec Ganondorf. Voilà, il est là tout simplement. Donc c'est un normal crépuscule, c'est une variante du costume normal de base. Voilà, donc finalement c'est avec Ganondorf, c'était pas avec Sia, j'étais même surpris, mais bon écoutez, why not hein. Donc voilà, normal crépuscule. Et donc du coup aujourd'hui on va tout simplement s'attaquer avec Sia toujours hein, vu qu'on l'a choisi dans l'épisode précédent. On va finir avec Sia. On va peut-être utiliser une autre coiffe. J'aime bien peut-être un popo. Voilà, sans coiffe. Et du coup écoutez hein, on va choisir notre la même arme et on y va. On y va. Donc là on va pouvoir prendre bien plus notre temps vu qu'on a déjà obtenu le rang A. Donc là il n'y a que la scutulador qui nous reste en fait. Alors du coup, champ de bataille comme d'habitude hein, Sia, Lana, Link, Macaon et des Capitaines d'Hyrule. Voilà, et en face de nous aurons du coup Insero, Dejibdo et des âmes de glace. Voilà, donc comme d'habitude. Et là la liste des forts hein, voilà, donc bon on n'a rien à vérifier concrètement vu que de toute façon on va devoir prendre peut-être tous les forts. J'imagine que c'est peut-être prendre 5 forts et 5 forts. Sans qu'il ne vous inflige 40% de dégâts au plus, une connerie comme ça, non? Remplissez la première mission et éliminez 1200, non? 1200 ennemis sans qu'il ne vous inflige 40% de dégâts au plus. Ok. Écoutez, why not, hein? On y va. Tac. Talalam, pam, palalam, palalalalalam. Et voilà. Une partie de l'armée d'Alana vient de nous trahir. Allez, on y va. J'ai pris le mauvais chemin. Putain, je suis con, j'ai pris le mauvais chemin. J'ai perdu du temps inutilement là. Merci. Je me suis loupé de chemin. C'est sérieux? Est-ce qu'il veut comme ça? Matériau, arme. Tac. Ça c'est bien parce que c'est fait une attaque de zone groupée. Donc pour les petites merdes à la con comme ça. Allez, go. Ouais, c'est vraiment ultra cheaté cette attaque. Vous avez vu? En fait. Merci. Alors, un des chefs des traites est là. Allez. Tac. Mais bon, il est finito. Wipe on. C'est ça? Merci. Allez, go, on y va. Les capitaines de raid. Alors, du coup. Allez. Merci. Putain, on est bientôt niveau 92 hein, mine de rien. Ça servait à rien de le répéter 40 000 fois. Et personne à côté. Allez. C'est vraiment puissant quand même comme attaque à la con. Voilà. Ça marche plus la télé? Donc il n'y a plus internet? Ou c'est juste qu'il n'y a plus d'électricité? Non, ça marche, mais il n'y a pas d'internet.
Et attends, je vais te dire. J'ai pour le moment pas de globe. Donc j'ai accès à internet. C'est bizarre. Oh bah, non, enfin pas entièrement, maman. Laisse un peu ouvert encore. Mams. Laisse encore un peu plus. Comme tout à l'heure, voilà. Je te remercie, attention, dès que nous deux. C'est juste parce que on meurt sinon. Excusez-moi. C'est juste qu'après sinon on meurt. Dès qu'il fait 50 degrés. Oh, parce que vous allez dire, mais n'importe quoi, il fait pas chaud en octobre. Ouais, pour vous, vous avez des vidéos en octobre. Pour moi, on est à peine le 11 juillet. Voilà, si vous voulez savoir. On est le 11 juillet, quoi, à peine. Ah, putain. Oh là là, ces gibes d'eau, ils sont cancer, les gibes d'eau. C'est un truc de dingue. Oh, ça me pompe l'air. Niveau 92. Allez. 500 KO. Allez. Allez. Boum. Oui, on l'a touché. Salut Stephen Clark Wilson sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Oh putain. Ah non, les gibes d'eau, c'est vraiment une horreur. Hein. Concrètement, de vous à moi, de moi à vous, c'est une horreur. Allez. Merci. Oh, c'est pénible, les gibes d'eau. Ok. Macaon est en difficulté, je sais, t'inquiète. Y a pas de problème. Merci. Laisse-moi juste prendre le fort qui est là. Allez, c'est parti. Et après on ira vers le haut. Ouais, parce que tout le monde est en difficulté là, ça commence à être bien pénible. Et 800 KO. Tac. Ok. Oui, j'arrive. J'aimerais bien venir te secourir, mais avec du grabuge. Let's go. Putain, il y a tout le monde qui arrive. Mais toute la terre entière, quoi. Toute la terre entière arrive, quoi. Allez. Ok, urgence. Oh mon dieu. C'est quoi tout ce monde? On en parle du monde qu'il y a là. Oh putain, oh, ça s'envoie des fuites, des raids. Les gens commencent à être à danger de mort. Ça commence à être délicat cette histoire. Allez. On revient. Bah, ça s'attaque à notre base alliée, ça c'est chiant. Allez. Là on va faire des dégâts de zone, hein, je vous le dis. Putain, un soldat de traite à la con. C'est un truc qui ne va pas vraiment pas s'arrêter. Ok. Ah putain! Pile à ce moment où je voulais enclencher le truc, quoi. Oh la haine! Bah, le gibe d'eau en plus surpuissant. Ça fait encore chier, comme d'habitude, quoi, en fait. Le gibe d'eau surpuissant! Et qui est en difficulté, ouais, mais mon coco. Compliqué là, hein. Comme tu peux le voir. Oh là là. Allez. 8%, bah ça va. Ok. Ok, il a touché. L'autre, il est décédé. Non, c'est moi qui gagne, Dalek.
dans ça. Boum. C'est bon. Oh, elle a pas éliminé. Parce que là, on le calme. Ah, le soldat des traites. C'est infini, ça paraît infini, infiniment, c'est un truc de dingue. Ça ne s'arrête plus. Allez. Voilà. Eh ben putain. Le nombre d'ennemis. Le jeep d'eau. Super. Putain, le nombre d'ennemis. Mon dieu, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. J'ai juré, hein, ça ne s'arrête pas. Allez. Tac. Allez. C'est bon. Ah, une partie vient de nous trahir encore. Ça, il ne reste rien, donc que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux qu'ils trahissent, quoi? Niveau non 3, et on a gagné un réceptacle de cœur supplémentaire avec le gain de niveau. Donc cela veut dire qu'il nous resterait... Enfin, une... Oh putain. Ah ouais, là... Ça commence à être problématique. Donc ça veut dire qu'il nous resterait bah, plus que 16 réceptacles de cœur à récupérer avec Sia. Allez. Allez. Putain, le nombre d'ennemis, c'est... J'ai l'impression que ça ne s'arrêtera pas, quoi. Allez. Le soldat de traite. Allez. Merci. Bon. On y retourne, on y va. Il nous restera plus que deux forts. Et il nous reste plus grand chose. Hein. Il nous reste plus grand chose. Ok. Attends, on est déjà 10 minutes quoi. Le chef des traites. Allez. Merci. Oui, l'enchaînement. Merci. T'as cet enchaînement parfait. Quand il passe au dessus. Ta-la-lam, pam-pa-la-lam. À mon avis, c'est un soldat des traites qui est en haut. Non, même pas. Âme de glace, in-zero. Ok. T'as même eux, ils sont compliqués à battre quoi. Donc quoi, vraiment, il nous faudrait une norme de niveau 4 quoi. Ou en avancer de niveau aussi. Ça serait une probabilité. Allez. Oui. Ok. Capacité débloquée. Ok, c'était pas volontaire, mais pourquoi pas. Le soldat des traites, du coup on va voir certainement, voilà, le chef des traites. Ok. Allez, 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 allez. Merci. Oh putain. Tous vers Lana. Non, je vais pas faire ça. Et évidemment, elle est attaquée de Mandala. Attaque la base alliée.
On va se TP là pour aller chercher notre scutule d'or. Évidemment. Notre sculpture d'or. Allez, viens. Et elle est là, elle est gentille. Merci. Vous avez vu qui sculpture d'or, vous avez obtenu un morceau d'illustration. Martelon. Oui. Ok. C'est les âmes qui sont de l'autre côté? Ouais. On va y aller là où il y a les tentacules de mandala. Pour tenter d'avoir du coup un matériau. De toute façon on a le temps là. De toute façon. Et après on battra 8-0 hein. Tech. Ok. Allez, dis-moi qu'on l'a. Oui. Parfait, on a les deux en même temps. Les deux en même temps. Ça m'arrange. Ok. Bon bah écoutez, on va battre 8-0 et ce sera bon hein. On aura terminé. Ah oui, c'est vrai qu'on a le le truc des sphères. Magicien sombre, Insero. Je vous avoue que je suis un peu fatigué les amis là d'un coup. J'ai un coup de barre. Je sais pas si c'est le fait d'avoir mangé ou pas, mais là j'ai un coup de barre. C'est pour ça que là vous me voyez un peu faible depuis l'épisode précédent. Alors je pétais la forme à la comprendre, mais là je suis un petit peu faible. Parce que je chute. Va vite déracer Insero alors. Hein. Ok. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Oh, le bâtard. Voilà. On va finir par l'avoir. Hein. Fatal. Et je pense que là, on l'a, hein, je vous le dis. Presque. Putain, oh, j'étais à 1% de sa vie, quoi. Merci. Un coup, ça suffit, quoi. Et merci pour les matériaux. C'est bon. On a fini. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai un coup de barre, je sais pas si c'est la chaleur, c'est pas si c'est le fait d'avoir mangé, mais... C'est pour ça que vous voyez beaucoup moins énergétique. Bon écoutez, au moins on en aura fini. Magnifique Sia. Hey hey hey. Hey, thank you. Bon, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout et on s'en fout. Enfin, on a obtenu que de la merde, hein. 5300 rubis. Le truc de la bonté, on en a une tellement plus puissante. 5100 rubis. Sceptre, ça on s'en fout. 9900 rubis. Ça on s'en fout aussi. 300. Oh, ça peut être bien dans le truc, mais bon, 300. Bah, 12900 rubis. Et ensuite, voilà, ça on s'en fout aussi. 2200 rubis avec 3 boucliers de Capitaine d'Hyrule, 2 poupées d'âme de glace, une lourde épée de Jibdo, 2 robes d'Insero, 16 gantelets de Capitaine d'Hyrule, 9 souffles d'âme de glace, une bandelette de Jibdo et 5 habits de soldat avec une bonne carotte, 2 carottes, un haricot magique et un œuf curieux. Et l'illustration. Oh, ça complète le truc de Midona, d'accord. Du coup, il nous en restera bien plus que 6. Voilà, donc 3 cases avec les Scutulador. Dont une, on sait où aller, et les autres, je m'en souviens plus. L'autre, voilà, on sait qu'il y en a une là, tout en haut là, mais qu'on peut pas faire maintenant. Mais l'autre, je sais pas, on verra où ils sont directement. Ah bah, il y en a une là aussi, donc ça fait, voilà.
ça fait ça. Et ça veut dire qu'il nous en restera une autre, ouais, qui a, en fait ici quoi. Ok. Why not? Alors par contre on va juste aller voir si on peut ce qu'on peut faire avec nos badges. Ça serait bien de mettre un petit peu nos badges. Bon, même si à mon avis ce sera qu'avec des poupées dames de glace qu'on pourra faire quelque chose, mais est-ce que si on peut faire quelques bricoles? Non, on peut rien faire. Et là, eh hey, avec Xant. Alors Scarabée 2 augmente beaucoup le temps de surpuissance du boomerang sur le requin. 2 liens pour cheveux d'impas sur 65 et 2 poupées dames de glace sur 3 et 2000 rubis. Scarabée 2 va être créé. Voulez-vous continuer? Oui. Le badge de Scarabée 2 a été créé. Ok, est-ce qu'on peut faire autre chose? Mais je pense pas. Non. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup dans l'épisode 935, tout simplement, on ira se rendre. Alors malheureusement on ne peut pas parce que c'est le... Comment ça s'appelle? Il y a le truc qui empêche, enfin le crépuscule quoi. Donc on ne peut pas y aller, sachant qu'il faudrait au moins aller là pour finir en fait. Vous savez quoi, je pense que dans l'épisode prochain, on ira se rendre à cette case qui nous permettra tout simplement débloquer les cases un peu à droite pour pouvoir partir pour les perles de lumière. Donc voilà, comme ça au moins ça sera fait. Finalement on va changer de planning, tout simplement. Donc écoutez, on fera cette case dans l'épisode prochain, voilà, dans l'épisode 935. Merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 934 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. Et on se dit à l'épisode 935, d'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde. Hey, peace.